Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Knott et Yves et Sylviane Santi pour la version française. La question qui demeure. Veux-tu être guéri? À première vue, il s'agit d'une des questions les plus insensées au monde. Quelle personne, paralysée depuis 38 ans, ne sauterait pas sur n'importe quelle chance de guérison et de renouveau? Mais Jésus l'a quand même posée, car la grâce ne supplante jamais nos choix. Comme cet homme handicapé au bord d'une piscine de Jérusalem, nous vivons tous dans les limites d'une prison privée, souvent construite par des choix insensés. Des amitiés se sont brisées sous la tension des propos colériques que nous avons tenus. La santé a été compromise par les anesthésiques que nous avons consommés pour cacher notre douleur physique et émotionnelle. L'orgueil nous a éloignés de l'amour qui aurait pu nous guérir. Mais Jésus continue à marcher près de la piscine, répétant tranquillement sa célèbre question. « Venez, raisonnons ensemble, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. » La grâce n'exige jamais, n'insiste jamais, n'enlève jamais notre pouvoir de choisir. Nous pouvons, si nous le voulons, rester dans la souffrance. Ou nous pouvons accepter la guérison que la grâce nous offre encore et nous lever pour marcher en nouveauté de vie. Levez-vous, marchez et restez dans la grâce.